Les amis, comment allez-vous? Moi, pas trop serein, honnêtement, pour pas vous cacher, je suis pas trop bien. Pourquoi? Je m'explique. Car, les amis, j'ai eu l'idée, il y a exactement une heure de ça, de prévoir une petite farce et attrape, non pas du tout rien à voir. Un petit prank, on va dire, voilà, comme le disent les Américains, Français, Allemands, Tunisiens, Mandoliens, ça n'existe pas. Pfff, hé Léo, tu pars déjà en couille, c'est juste l'intro. Arrête de parler déjà. Merci, bonne soirée. Alors, je sais que vous allez me dire, mais Léo, c'est quoi ce titre très étrange? T'es parti en couille ou quoi, mec? Qu'est-ce qui t'arrive? Calmez-vous, je vous explique ça tout de suite. En fait, il m'est venu l'idée, il y a quelques heures de ça, donc comme je vous l'ai dit juste à l'instant, de faire un petit prank à Madiz, mon frérot, voilà. Voilà, je voulais marquer le coup parce que ça fait longtemps quand même qu'on est potes sur YouTube, c'est absolument faux, ça fait exactement 2-3 mois, voire 4 mois, bref. Et donc, j'ai décidé, les amis, musique épique s'il vous plaît, de le pranker en lui faisant croire qu'il allait faire un feat avec InoxTag. Du coup, les amis, avant de le pranker, avant de lui faire croire que il va faire un feat avec InoxTag, il m'a fallu, moi, de mon côté, donc il y a une heure de ça, de prévoir un stratagème. Et le stratagème, c'est quoi? Il est très simple, c'est tout simplement en fait de faire un faux screen que j'aurais capturé d'une conversation que j'aurais soi-disant eu avec InoxTag pour qu'il crame pas que ce soit fake. Parce que si je lui dis juste, hey mec, InoxTag, il veut faire un... Je lui dis maintenant, il veut faire un feat avec toi. Donc, pour lui faire croire, pour que mon plan marche bien, j'ai décidé de faire une fausse conversation sur Photoshop, voilà, de retoucher, voilà, afin qu'il voie devant ses yeux, bah, un vrai screen que j'aurais pris, mais qui est faux, comme je l'ai photoshopé, vous avez compris. Du coup, je suis assez fier, voilà le screen, je vais vous lire juste maintenant. Les gars, je viens d'appuyer sur mon télé. Ok. Je suis trop con. Alors, j'ai le seum, pourquoi je vous explique? Parce qu'en fait, la capture d'écran que j'ai prise, enfin du moins il y a du coup... Attends, je l'ai pris quand? On peut pas voir, mais du coup je l'ai pris il y a quelques jours de ça en fait. C'est une vieille capture d'écran que j'avais pris d'une réelle conversation Instagram, qui était d'ailleurs avec une pote ou je sais plus quoi, bref, on s'en bat les couilles un peu. Et ce screen j'avais pris à 1h05 du matin. Et je suis con parce que le prank, là il est quelle heure actuellement? Il est 21h43, donc le prank je vais lui faire, bah, pas à l'heure où j'ai pris le screen, donc ça va enlever un peu la crédibilité, mais s'il le remarque pas, c'est tout bonus, c'est carré dans le box. Comme dit Maddy, tu connais toi-même, et aussi Fabien, tu connais aussi. Donc espérons qu'il ne crame pas tel l'abribus qui est à côté de chez moi qui a brûlé. C'est pas du tout vrai, c'est totalement faux, hein, c'est pas vrai du tout. Du coup les gars, j'ai mis quoi sur le message? Exactement ça. Yo Inox, tout d'abord j'espère que tu as passé de bonnes fêtes avec ta famille. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait je me suis dit, bon, je vais faire croire en fait que le message je l'ai envoyé il y a assez de temps de ça, donc où il y avait les fêtes. Comme ça, il n'y a pas cramé que je l'ai envoyé aujourd'hui et que donc il m'a répondu direct. Sinon ça ferait trop cramé, vous avez capté. Bref, je te contacte ici sur Insta pour te proposer une éventuelle collaboration avec un ami à moi youtubeur se prénommant Madiz sur YouTube. Tu le connais sûrement, haha. On serait honoré, moi et lui, de te parler de notre idée de gros concept de vidéo qu'on a eu il y a quelques jours. Ça pourrait te plaire, à toi de nous dire ce que tu en dis. Ce qui est absolument faux, comme avec Madiz, on a réellement jamais eu de concept à... Mais mec, pourquoi je reçois tout un des messages? Arrêtez de spammer de messages les gens en fait. Donc voilà, on n'a jamais eu réellement de concept à proposer à InoxTag, c'est faux. Mais je me souviens qu'avec Madiz, voilà, on s'était fait un petit délire, c'était juste pour rigoler quoi. Comme quoi on avait l'idée, comme vous savez, Madiz il ressemble un peu à InoxTag, enfin on dirait limite le sosie d'InoxTag, voilà, deux photos de InoxTag, enfin, pas deux photos d'InoxTag, mais voilà, une photo de Inox et une photo de Madiz, on dirait les mêmes. Les gens, arrêtez de me spammer, putain! Du coup, j'ai fait genre que InoxTag m'avait répondu yo mon petit ref, parce que oui, souvent Inox il dit mon petit ref, vous avez capté. Oui, je connais Madiz, héhé. Qui dit hey, personne, mais bon, j'ai fait genre qu'il disait ça. Inox, désolé, Inox, tu passes par là. Si tu dis pas hey, désolé, c'est un bon ce gars. Merci de m'avoir contacté car j'aurais eu le seum de passer à côté de ce gros projet. Gros concept, j'ai mis. Pourquoi je dis gros projet? Ta gueule en fait. Je sais même pas lire une phrase. Tu t'es arrêté en CP? Oui. Tu as une famille? Non, ça non. Par contre, je. Non. Et pour finir, du coup, j'ai fini avec la phrase je t'écoute, mon ref, que InoxTag m'aurait dit. Voilà. Et donc, il a jamais dit ça, mais vous avez compris comme c'est un faux. Parce que les gens, ils m'ont dit en commentaire hey, c'est vraiment InoxTag? Non, c'est un Photoshop. Enfin bref, let's go, le pranker. J'espère qu'il va y croire, putain, j'ai peur les gars qu'il y croie pas. Donc, on est parti, let's go, bitch. Ouais. Allô mon mec, ça va gros? Ouais toi. Mec, est-ce que tu me crois si gros? J'ai raccroché, c'est bon. Est-ce qu'il va me rappeler? Ça va être trop drôle s'il me rappelle. Y'a aucune interaction, je stresse de ouf. Mais... Je vais lui dire, genre, j'ai fait genre, lui faire croire en gros que j'ai pas fait exprès d'accrocher ou qu'il y a eu une coupure. Il me rappelle pas ce con, il s'en bat les couilles. Et attends, je crois que je le rappelle. Il m'a envoyé un message, il m'a mis what? Ok, je le rappelle. Allô mec? Oh, je suis désolé gros, ça a coupé mec. Désolé gros. Alors mec, je vais te dire un truc gros, ça va changer ta vie mec, c'est un truc de gros. Bah, si c'est pour ta vidéo, ouais. Quoi? De quoi? C'est pour ta vidéo, ouais. De quoi? T'es en tournage, non? Non, gros. Là, j'allumais ma cam, gros, parce que c'est dans le thread horror, là. Enfin, je le mettrai pas dans le thread horror, mais c'est une autre vidéo, en gros, là. J'allumais ma cam, gros, je t'explique. Là, j'étais sur mes DM Insta et tout. Et là, gros, en plein tournage, je vois mon téléphone s'allumer au coin. Et là, je vois quoi, gros? Je vois une notification de InoxTag. Je me dis, bon, ok, c'est un compte fake et tout. Et là, gros, je vais t'envoyer un truc, regarde, mec. Attends.
Attends, mec, tu m'as répondu, gros, c'est un truc de ouf. Gros, c'est incroyable. C'est incroyable, mec. Mec, gros, je tremble, mec, c'est un fou. Mec, je tremble, gros. Quoi? Mais quoi, qu'est-ce qui... Mais mec, la vie de ma mère, gros. Tu t'envoies une capture d'écran? Enfin, une capture vidéo? Incroyable. Gros, je réponds quoi? Mec, je sais pas quoi répondre. Je mets. Est-ce que tu. Genre, je lui mets, viens. Genre, on s'appelle par Discord. C'est incroyable, gros. Mec, c'est incroyable, gros. Mec, tu sais que, mais mec, est-ce que tu crois que je m'attendais, mec? Pas du tout, gros. Pas, c'est venu comme ça. Du coup, bah, faudra qu'on voie, du coup, pour l'appeler, je sais pas, mec. Attends, mec, je tremble, gros. Je tremble sa mère, mec. Mais gros, mais moi, c'est incroyable. Tu penses que j'ai été bien pro ou pas, là? Ça va, il était pro, le message? En vrai, ça fait un peu kikou, mais mec, il a répondu. En fait, je pense que Inox, il dit souvent ses DM. Ouais. Mais mec, mais comment il a fait pour tomber? Ça fait genre, c'était au fait que je lui avais envoyé ça. Au fait de, je sais, je lui ai mis tout d'abord. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes avec ta famille et tout, mec. Mais gros, mais mec, qu'est-ce qu'on fait, gros? Qu'est-ce quoi? De quoi? Pourquoi genre c'est marqué le message? Il dit que c'est marqué envoyé aujourd'hui. Eh bien, à ce moment-là, de quoi? J'ai totalement paniqué. Ah le bâtard! Non! Sans mentir, j'ai écrit un tout petit peu, tu vois. Je suis un putain. Est-ce que j'ai un bon acting? Pas du tout. Franchement, ouais, de ouf. Oh, gros, tu sais qu'au début, je pensais que t'allais full tomber dans le. Enfin, t'es un peu tombé, mais il y a eu quand même une part où tu t'es dit, mec, c'est impossible. Franchement, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Léo, de lâcher un petit pouce bleu, c'est super important, et d'activer la cloche des notifications, parce que Mec, je veux que tu mettes en commentaire, filou, je t'épingle, je veux qu'il ait 50 likes ce commentaire. Voilà. C'est carré et je veux qu'il y ait en commentaire aussi. Je voudrais un feat avec Inoxtag, Michou, Léo et Matiz. Mec, voilà. Ce serait lourd en vrai. Les gars, s'il y a combien de pouces bleus? S'il y a 500 pouces bleus sous cette vidéo, les gars, j'achète à Matiz un nouveau casque parce qu'il me fait pitié avec son petit casque de militaire là. On dirait qu'il revient de la guerre du Vietnam. C'est horrible. Je rigole, mec. En vrai, il est mignon ton casque. Bon, sur ce, nous les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo et Matiz, du coup, un peu en feat, t'as capté? Mec, c'est toi qui as le dernier mot de la fin et la vidéo se coupera sur ton dernier. Dernier mot qui est... Abribus. Non.